Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces deux produits. Donc, ce sont des aimants spécial soudure. Donc j'ai acheté ça chez Lidl. Ils sont tous les deux sous la marque Parkside. Donc c'est des produits qu'on trouve sous d'autres marques, hein, d'autres fabricants. Donc ça permet de pointer en fait des profilés, des fer plats, etc. Lorsqu'on fait de la soudure sans avoir à les maintenir ou à faire un montage avec des serre-joints ou autre. Donc il y a deux modèles, il y a celui-ci. Donc il permet de souder à différents angles, donc 90 degrés, 45 et 135, si on le met à l'envers. Et celui-ci qui est pas mal non plus, qui est tout simplement donc deux rectangles avec des aimants. Et ici, une barre qui permet de positionner à n'importe quel angle. Voilà, donc ce qui permet de faire des montages. On peut resserrer les deux et, comment dire, et souder à n'importe quel angle les différentes, comment dire, des pièces sans avoir à les maintenir. Donc le premier, c'est celui-là. Donc vous avez un aimant en dessous, un aimant là, un aimant là. Donc si vous le montez tel quel, c'est-à-dire avec un fer en dessous, un autre là, vous obtenez un angle de 45 degrés. Entre là et là, un angle de 90. Et si vous le mettez donc à plat et vous mettez votre fer plat là, vous obtenez ici un angle de 135. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là j'ai placé deux morceaux de fer. Moi j'ai toujours du fer de récupération. Donc il est un petit peu rouillé, mais peu importe. Là donc là vous avez la place quand même de venir souder, pointer de ce côté et puis de l'autre côté. Voilà. Donc ça permet de bien le maintenir. Ça colle bien, c'est-à-dire que là, bon, avec le téléphone à la main, j'ai du mal à les décoller. Donc pour celui-ci. Et le deuxième. Donc le deuxième ici. Donc vous avez donc. Il s'est collé. Vous avez donc la possibilité de le tourner, le monter. Voilà. Et donc là, vous obtenez les réglages que vous voulez. Vous avez des écrous nil-stop ici. Donc une fois que vous avez choisi votre réglage, votre angle, vous pouvez venir, comment dire, le serrer. C'est des rectangles, donc ça permet quand même d'avoir deux dimensions, donc d'agrandir en fait la, multiplier en fait les possibilités. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt intéressant. Moi, ça fait longtemps que j'en cherchais. Là, c'était l'occasion. Je ne fais pas la soudure tout le temps, donc à chaque fois on oublie. Quand on soude, on se dit, tiens, ça serait bien d'en avoir. Et après, ben, on oublie d'aller en chercher. Donc là, je les ai vus ce matin. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Donc je les ai payés, je crois que c'est 5,99 €. Donc la boîte. Donc celui-ci ou celui-là. Voilà, donc c'est plutôt de la bonne qualité. Hein. C'est pas trop. Voilà. Puis après, bon, c'est pas quelque chose qui est très. Je pense que dès qu'on va souder, ça va s'abîmer. Mais en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. J'ai regardé au moins l'angle droit. L'angle droit est correct hein, avec une équerre. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.